Classe égale à HRL Delphine Ouespissé a fait tourner la tête de ses collègues de touche pas à mon poste. Ce jeudi 9 septembre. Habillée d'une combi short rouge qui mettait ses longues jambes en valeur. Miss France 2012 a reçu pléthore de compliments de la part de certains chroniqueurs qui ne sont pas restés indifférents à cette belle tenue. Guillaume Janton a fait une grande annonce. J'ai décidé de devenir vegan pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est bon pour l'épiderme, et la deuxième, c'est clairement pour pécho Delphine, a lancé d'entrée de jeu le pro des médias. On n'avait dit jamais entre cousins, cousines, s'est amusée l'Alsacienne R. Cyril Hanouna à énumérer les spécialités cuisinées par sa mère. Que Delphine Ouespissé, vegan plus comme elle se présente, ne peut pas manger. Imagine, je ramène Delphine Ouespissé à ma mère. Elle pourra pas manger, c'est un casse-tête, a-t-il plaisanté. J'adore les couscous, les tagines mais aux légumes, explique Delphine Ouespissé à l'animateur, qui s'empresse de la comparer à l'archétype de la touriste. On dirait la meuf du Club Med. Point. Oh, j'adore le Maroc. Je vais m'acheter des petites babouches, a-t-il ironisé, en prenant un accent un peu bourgeois. Face à ce compliment, Delphine Ouespissé, qui interprète le personnage de Blanche dans l'émission Fort Boyard, a également reçu des avances de la part de Nicolas Pernikoff. L'ancien directeur de la communication du groupe Energy a expliqué à Cyril Hanouna qu'il avait rêvé qu'il dansait avec la belle brune. La voir comme ça, ça me donne envie de danser avec elle, qui n'aurait pas envie de danser avec Delphine, déclare Nicolas Pernikoff de sa voix grave, sous les rires des autres chroniqueurs. Là, il s'est réveillé lui, pervers, peut-on entendre. Un songe aussitôt devenu réalité grâce au présentateur, qui a invité Delphine Ouespissé et Nicolas Pernikoff à faire quelques pas de danse ensemble au centre du plateau. Dommage pour les deux chroniqueurs, Delphine Ouespissé n'est plus un cœur à prendre, puisqu'elle vit une histoire d'amour avec Roger Erard.